Le quotidien d'un artisan est comme tout homme le matin au lever d'un traite le matin. On s'apprête pour aller à l'atelier. Quand on arrive à l'atelier, on regarde ce qui manque comme matériel, puisque il y a un dépôt où on se ravitaille en matériel. Donc, si tu es donc en manque, tu fais un tour de ce côté-là pour te ravitailler. Et après, tu viens à l'atelier pour commencer la transformation. Puisque on achète ça il y a des rouleaux là, bruts. Donc on commence par le nettoyage. Après le nettoyage, comme je suis en train de le faire là, bon, on le fend en petits morceaux comme c'est déjà là. Donc, et on fait comme ceci. Ça, et on le sèche. On le sèche pourquoi? Puisque quand c'est humide, parce que quand c'est encore de l'eau, à la langue, si ça ne sèche pas, il y aura des espaces. Donc voilà à peu près. Et après dans cette transformation, il y a un autre matériel qu'on fait des squelettes, comme vous l'avez filmé. Ces squelettes-là sont aussi faits à base d'un autre matériel plus gros que le petit qui est en cercle. Malheureusement, il est même là devant nous. Ouais. Donc, après la transformation, donc, on fait le tissage, comme vous avez vu le petit en train de le faire là.